Finale de la Jeep Elite 2019, épisode 1 à l'Astrobal avec une question. Le show de Charles Cali à 3 points. Voilà le coup d'envoi de cette finale. Premier panier pour l'ASVEL par. Il est en difficulté, Amara, il perd la balle, récupéré par Jesse Sauter qui l'a la gîte pour DeMarcus Nelson. C'est un 3 contre 1 et un énorme dunk de Livio Jean-Charles. Et voilà qui lance bien la rencontre, hein, Livio Jean-Charles avec agressivité. Vous savez David que cette finale entre l'ASVEL et Monaco, ouais, ce n'est pas une finale inédite. C'est physique. Encore une fois, il va très vite et il marque cette fois avec la faute. Séquence à 3 points, Livio Jean-Charles. Adrian Payne à 3 points, son péché mignon. Regardez, ça tombe dedans. Et ça, ça devient une équation compliquée à résoudre. Ah, ça change. Oh, la belle passe, magnifique. Et le dunk de Eric Buckner. Buckner, il perd la balle. La défense de Buckner. Dibos qui retrouve Gerald Robinson qui a vu que pour le dunk ce serait compliqué, donc il dépose la balle tranquillement du bout des deux. Yannis, Payne encore, le même système, Payne en tête de raquette à 3 points. Ils punissent parce que Kalnietis, point accompagné Kalnietis, il est en retard sur la reprise d'Adrian Payne. Dibos à 3 points, oh là là, Dibos froid comme une lame. Yannis. Oh, qui s'en sort bien. Il a perdu la balle, il la récupère en l'air, ouais, sans faire de marché. Dibost. Kalnietis à 3 points. Non, il s'est manqué. Oh, qu'il est monté haut, Livio Jean-Charles. Il a retrouvé toutes ses qualités athlétiques et ça se voit. Déjà pour l'ASVEL. Nazarick Jones à 3 points. Après Dibost, c'est l'autre meneur maintenant qui marque de loin. Il se protège et il marque. Et encore une fois, puni sur une défense pick and roll. Et le dunk de Aminoua. Stop la série de Monaco qui était sur un 8-2. Oh, c'est fort. Oh, c'est fort. 45 degrés, un quart de terrain pour ce jeu à deux. Sif, hein. Beaucoup de rebonds offensifs, on l'a vu à l'instant avec la stat. Trop. De Villeurbanne. Points pour Adrian Payne. Eric Buckner, il est allé trop loin dans ses bras. Un rebond offensif, Sacha Obradovic qui demande à ses joueurs d'être plus durs quand ils ont le ballon. Voyager loin. Payne, Malédon, joli. L'extra passe de Thomas Malédon pour le show à 3 points de Mantas Kalnieti. De Marcus Nelson. Et il va jouer au cercle. Ah oui, Dibos, il ne peut plus mettre cette dureté défensive. Dites-moi. Il survole ce match, Adrian Payne. De Marcus Nelson, pour Livio Jean-Charles qui dunk. Monaco, excusez-moi. Lui. Éclat l'attaque monégasque. Et Théo Malédon qui marque avec la faute. C'est le Mino Malédon. Dibosta, Yacouba Ouattara. Yacouba Ouattara, la défense de Charles Cahudi. La faute, ah, j'ai pas l'impression. 5 secondes, il va falloir faire quelque chose, magnifique. Magnifique. Le alley-oop d'Eric Buckner servi par Dibos. Ouais. Ça rend le choix de Stamitrovic. Oh, cette petite hésitation. Il est passé, le panier va être accordé avec la faute. Justement, Adrian Payne. Il va falloir qu'il prenne ses responsabilités maintenant. Il ressort le ballon pour la journée à 3 points de Mantas Kalnietis. De perdre de vue Mantas Kalnietis. Surtout lui. Jones, il est passé. Il se rattrape de son erreur défensive. Ouh l'erreur. Il est passé, il marque. Ouh, l'erreur de communication. Georgie Joseph Amarasi. Dernier ballon. Voilà, c'est une passe à terre. Kikanovic face au cercle. Je ne vais pas souvenir qu'il ait raté un shoot face au cercle depuis une éternité. Kikanovic. Et une interception de Gerald Robinson. Ils ne le reverront pas. Allons. Bip bip. Et parti. Face à Yacouba Ouattara, Nelson. 3 secondes. Oui, on l'appelle passe de Nelson pour Livio Jean-Charles. Au bout du chrono. Dost. Kanovic. Il est passé. Oh, oh. Avec de... il a failli nettoyer le cercle, Georgie Joseph. Deuxième rebond offensif pour Georgie Joseph. Edgy Sauter à 3 points. On retrouve Edgy Sauter qui était capot en première mi-temps, 0 sur 3 au show.
qu'on reste toujours un petit peu joueur quelque part, c'est ça? Ah oui. Oh, c'est fort ça. Ah oui. Il reste longtemps en l'air, résiste au contact en deux temps. L'auteur. Extra passe, Charles Cahudi aurait pu le prendre, un petit pas de décalage. Il préfère, des fois Charles se met en rythme avec un petit dribble. Le Malédon. Ah, c'est pas bon, cette extra passe. Qu'est-ce l'auteur ? Qu'est-ce l'auteur ? En funambule. Jeu de transition, ça passe pas, ce sera du jeu posé. Et Théo Malédon qui retourne, il s'est fait contrer par derrière, par Paul Lacombe. Paul Lacombe. Ils sortent fort. Interception de Jesse Lauter qui marque malgré le retour de Paul Lacombe qui fait la faute. Et il faut gagner 3 matchs, donc il faut pas qu'il baisse la tête. Lighty va jusqu'au bout. Parce que ce body language aussi, il peut le... De Sacha Obradovic est à sa tête. Deux défaites en 23 matchs seulement pour les Monégasques avec Sacha Obradovic. Yon Asvel, Marie-Sophie Obama en tribune. Entouré de Nicolas Batum et de Tony Parker et Eric Buckner qui marque. Ça remonte à plus de 50 ans, Stephen. C'était en 63, c'était le PUC. Le PUC, pour ceux qui ne savent pas, c'est le Paris Université Club. Jones. Ah bah, voilà Jarrod Jones. Son premier panier, son premier tir du match. Robinson. Oula. Il pouvait aller au cercle en plus, Robinson, non? Et c'est Eric Buckner qui marque. On démarre le 4ème carton, il n'était pas piqué. Et ballon volé. Et ben voilà de quoi relancer complètement le match avec Dibos. Deux ballons volteur. Gérald Robinson. Bibi Pella. Oh là là. Mais on a. Et oui, le chrono s'est déclenché. 2 secondes 17 pour remonter le parquet. De Marcus Nelson. Mantas Kalnietis à 3 points. Oh, que ce panier à 3 points de Mantas Kalnietis fait du bien à l'Asvel. Si, c'est Lugio Jean-Charles. Le meilleur marqueur du match, c'est Gérald Robinson avec 13 points. Le shoot de Jones, le deuxième shoot à 3 points de Jarrod Jones. Interception, Yacouba Ouattara. Ils ont vraiment perdu par les Villeurbanne. Oui, et ils l'ont pas vu. Et ouais, regardez le Maniki Kadovic, le roi de la feinte. Hop, il efface deux joueurs sur une seule fin. De Jean-Charles, Edge Sauter, l'artiste est là à nouveau. Et lui aussi, Svel, des mismatchs, voilà. Buckner qui marque. Il est intéressant avec Buckner, il est quand même bien pro. David Lighty, je dis ça. Oh, c'est magnifique. Le spécial David Lighty, l'attaque champion avec Limoges en 2000. David Lighty. Waouh, on rappelle que les trois dernières finales du championnat de France sont allées en 5 manches. Et là, Eric Buckner qui dunk. Trampoline humain. Ah oui, sans effort, semble-t-il. Kalnietis face à Paul Lacombe. Kalnietis. Oh. Il arrive à marquer Mantas Kalnietis. Only, my friend. Eh oui, on imagine des monégasques revanchards. Il ne jouera pas le dernier ballon, Théo Malédon. Villeurbanne remporte l'épisode 1 de cette finale du championnat de France face à Monaco en ayant mené tout le match 81 à 71. Belle démonstration, Villeurbanne.